Bonjour tout le monde. Suite aux leçons que je fais pour aider les élèves à continuer leur apprentissage à distance, cette fois-ci avec une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre comment aider l'organisme à lutter contre les microbes. Alors, les objectifs de cette leçon sera savoir la vaccination, par mettre en évidence le rôle de la vaccination en tant qu'immunisation active, ainsi comprendre l'intérêt d'immunisation passive. Pour cette raison, on va commencer par une introduction. Dans certains cas, l'organisme n'arrive pas à détruire l'antigène par ses moyens propres. Il est alors nécessaire de renforcer les moyens de défense du système immunitaire. Donc, quels sont les moyens dont nous disposons pour aider l'organisme? Pour répondre à cette question, on réalise les activités suivantes. Dans cette première activité, on va découvrir le rôle de la vaccination. Dans ce cadre, on propose les expériences suivantes. On injecte une souris A par la toxine tétanique. La toxine tétanique est une substance très toxique sécrétée par le bacille tétanique. Cette substance circule dans le sang et agit sur les muscles et provoque la mort de l'organisme. Dans la deuxième expérience, on injecte la souris B par l'anatoxie tétanique. L'anatoxie, c'est une toxine qui perd sa toxicité, mais capable de déclencher une réponse immunitaire. Après des jours, on injecte la souris par la toxine tétanique. Le résultat, la survie de la souris. Dans la troisième expérience, on injecte la souris C par l'anatoxie tétanique. Après des jours, on injecte la même souris par la toxine diphtérique. Le résultat, c'est la mort de la souris C. Donc, l'anatoxie tétanique ne protège pas contre la toxine diphtérique. Le document suivant présente la quantité d'anticorps dans le sang injectés par IME en fonction de temps. Après la première injection d'anatoxie tétanique, c'est-à-dire l'injection d'antigène, la production d'anticorps est lente et la quantité est faible, presque des unités par ml. Donc, dans la deuxième injection d'anatoxie tétanique, la production d'anticorps est rapide et la quantité est très forte, presque 1000 unités par ml. La même chose pour la première et la deuxième injection d'anatoxie diphtérique. Donc, après la première injection ou la première contact d'antigène avec l'organisme, l'organisme conservait des lymphocytes spécifiques de cet antigène. Ce sont des lymphocytes lymphocytes B mémoire. Cette mémoire rend le système immunitaire plus rapide et plus efficace lors d'un nouveau contact avec la même antigène. Alors, le vaccin y renforce le système immunitaire. Donc, comme résumé, la vaccination est une immunisation active car elle stimule le système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse immunitaire primaire vis-à-vis de vaccins. C'est une réponse immunitaire plus efficace vis-à-vis de l'antigène normal via la formation de la mémoire immunitaire. Dans certains cas, on utilise des méthodes externes pour empêcher l'invasion microbienne. C'est l'immunisation passive. Le premier moyen d'immunisation passive, c'est l'antisepsie.
Lors des blessures, l'antisepsie consiste à éliminer les microbes au niveau de plaies pour empêcher leur pénétration. Par exemple, pitadine, l'alcool et l'oxygène. On a aussi sérothérapie. C'est l'emploi d'un sérum pour guérir une maladie infectieuse et consiste à injecter au malade un sérum contenant des anticorps spécifiques de la maladie dont il est atteint. Donc, le vaccin entraîne la formation d'anticorps et des cellules mémoire, mais le sérum conférait à l'organisme une immunité passive, sans action curative et de corps durée. Les antibiotiques sont des médicaments qui agissent à l'intérieur de l'organisme pour lutter contre la multiplication bactérienne. Chaque anticorps est efficace contre certaines bactéries et efficace contre d'autres. On a aussi la sepsie, consiste à empêcher la contamination des gens par des micro-organismes. Exemple, la sepsie des salles d'opération de l'hôpital. Donc, comme résumé, l'immunisation passive, car le système immunitaire n'intervient pas activement, c'est une aide externe destinée à empêcher l'invasion microbienne ou détruire les microbes après l'infection.